Si moun mande gombo cho, yo balil nan pla mel. Lem di nou sa, viv ansanm gen te rentre nan batay ki genyen ant katye Boston ak Simon Pelé. Mem tèt chef gang Simon Pelé, Djuma ta deja sou table pou diskute kouman yo pral rive pose la patte sou Djuma. Lem di nou sa, bagay la vreman komplike ant Simon Pelé ak Katye Boston. Yo lòt kote, genye bandi kokorat san rasyo ki kontinye ap touye moun nan depatman la Tibonit la, eh bien population gro moun nan oblije mande sekou ansanm avèk otorite an plas yo par rapport avèk moun ki kontinye ap pèdi la vi yo nan katye si la, nan vil si la, nan pale de gro moun. Yon group militer jamaïkè ak belizien rentre nan peyi an ayè jeudi. Lèm di nou sa, monsieur Mauve Konkong et yo pral fini ansanm avèk ekip viv ansanm. Nan jou k ap vini la yo, bagay la pral vreman mare, lè ti monsieur sa yo komanse rentre nan batay la pou kapab poteje fò ansanm avèk fòs lòd nan peyi Ayiti et pi monsieur policier et kenyan yo. Yon lòt kote, genyen batay la ki kontinye. Eh bien ap fèt, la polis deside pou l pa bay bandi yo menm yon may pou ke yo kapab respire. Genyen plusieurs bandi ki rive bwè dlo bouchò nan komin Gressier. Para la komplike. Si monsieur Gressier yo pa konn kote pou met kò yo paske UTAG ansanm avèk SWAT deside de pou papa yo soufre. N'a fait yon vuelta, nou pralé nan pays et bien un Pérou. Faut nou di nan minute n'a parlé là, c'est Gorel qui gagné nan pays un Pérou par rapport avec l'an mort ancien président ça, n'a parlé de Alberto Fujimori, eh bien, qui lui-même tap dirige pays Pérou, jodi on parle encore, il fait voilà pour pays sans chapeau et gouvernement en place a préparé pour que yo kapab ba yon bel funeray ansanm avèk Alberto Fujimori ki li menm te dirije peyi Pérou. Emisyon jodi pa rate yon yota. Nou pral bon enfòmasyon, nou pral bon zè, nou pral bon detay, nou gen son, nou gen imaj nan emisyon jodi. N'ap demare emisyon avèk gwo konflik sa ki genyen nan katye Cité Soleil. Depi avanyèr, coup de balle pas suspend chanter, coup de balle pas suspend fait Mikalaw nan katye Cité Soleil ak nan katye Simon Pelé. Ki sa bagay la ye? Se yon match football ki te genyen pendant que monsieur te deside fè la paix. Pou yo te kapab montre ke yo fè la paix, yo deside organize yon tournoi football. Et tournoi football sa, li te reuni 4 ekip. 4 ekip sa yo, yo sorti nan diferan katye, surtout ki te troke coup de balle entre yo menm. Katye sa yo se Simon Pelé, Boston, Belekou ak Brooklyn. Eh bien, on est arrivé dans phase eh bien finale dans tournoi ça. Et phase finale là, t'es opposé quartier Simon Pelé contre quartier Boston. L'aime dit nous ça, coquet t'a pral mettre faire apparition là dans game là et sortant d'ailleurs en pile zam t'ralé, en pile coup de balle t'es tiré. Gen plusieurs chefs qui rivaient prendre balle. Gen Benji qui lui-même c'est chef Belekou. Monsieur touché mais il touché dans pied. Faut qu'on dit que soldat qui vini dans dolan yon certain de Tironal, monsieur parle encore, monsieur prend une balle dans tête. Bon côté équipe Simon, eh bien faut qu'on dit que gagnent John, oui John, deuxième chef Simon, eh bien monsieur parle encore, la minute n'a parlé là, monsieur Aljoine Baron. Information te même fait quoi que Djuma qui c'est chef Simon, eh bien monsieur ça, li ta prend balle, mais nan ti information, nan ti enquête que nous mené, Djuma li là, li safe, li pa gen rien. Eh bien depuis lors, faut nous dit que eh bien équipe Boston li te décidé pour te bay yon réplique. Yo te monté nan Simon, c'est pas deux moun yo patouyer, c'est pas deux coups de balle, vin fait que gen en pile moun nan Simon, nan minute n'a parlé là.
qui oblige la guépier yo. Faut me dire nous que hier jeudi, bagala te vraiment mon gomé dans quartier Simon Pelé par rapport avec renfort, eh bien monsieur Boston yo yo te joindre. Qui renfort que yo joindre? Bon information. Eh bien renfort que yo te joindre. Yo joindre renfort Belécou, yo joindre renfort Bouclin, yo jouen renfort, eh bien, bon côté, zone qui rele, Waf Jeremia, Mikano ba yo renfort, et puis, fon dimanche, zone sa, quartier sa, qui pas trop loin, ensemble avec Waf Jeremy, l'hypote renfort, ensemble avec quartier Boston. Lem di nou sa, baga la mongon mekounia, nan men monsieur Simon yo. Gen réunion kap fèt la, pour que Pierre 6, pour que yon l'autre zone, ta pou du vivier, capable de porter renfort. Même chez méchant, capable de porter renfort ensemble avec quartier Boston. Bagay la parler dans vivre ensemble. Monsieur vivre ensemble, yo dit, Djuma en toi, qui donc, yo pral marcher sous Djuma. Parce que, yo te get en bas, yon mot d'ordre l'a pas respecté. Est-ce que Jimmy Cherizier et Barbecue, qui c'est bon ami Djuma d'ailleurs, Djuma kon habitué pour te renfort ensemble avec Jimmy Cherizier, est-ce que Jimmy Cherizier pral vire do by Djuma? Mais information qui rejoint moi, gen gros réunion qui fait. Nan mitan vivre ensemble et vivre ensemble pral pote renfort ensemble avec quartier Boston et sortant d'ya si Gabriel qui c'est chef Boston li frappe l'estomac li sementé 7 fois 77 fois li vle tête Djuma et li pas besoin l'autre bagaille que tête Djuma soit yo bal Djuma vivant ou bien mouri l'essentiel là li besoin Djuma même que Djuma avant ça, li tap tante fait quelques coups de fil pour le ki jan, li capable mettre yon bout ensemble avec guerre. Eh bien, monsieur pa décidé faire bac. Et dans vivre ensemble là, yon ge tap réfléchi. Qui est-ce pour yon wè yon pral bay dirige zone ça qui c'est Simon Pelé? Bah, la vraiment mon gomè. Pendant que bandi yon ap goumè entre yon, Fon dit que la police nationale d'Haïti parete bras croisés. La police nationale d'Haïti foure piel nan tchaka monsieur yo. La police nationale d'Haïti li foure kol nan guerre. Pas mande pour qui est la policier. Est-ce que c'est pour Boston ou bien est-ce que c'est pour quartier Simon Pelé? Si nous t'avons répondre nous question ça, bon dit nous que. La police nationale d'Haïti, pas pour ni Boston, li pas pour ni Simon Pelé. Mais pour autant, la police nationale d'Haïti décide faire une bataille stratégique pendant que deux monsieur Sayo abgoumé. Pendant que deux clans Sayo abgoumé. Qui ça la police fait? Il y a des zones stratégiques. La police occupe yo. L'aide prend le cas de route de l'aéroport. Nous connaissons en dans ça. Eh bien, sous route nationale, sous route aéroport là. Eh bien, moun Simon Pelé est seul accès yo gagné pour que, et yon accès yo gagné pour que yo capable sortir. Qui donc, la police nationale d'Haïti occupe espace. N'importe moun Simon cap sorti, faut sortir demain en l'air. Donc objectif la police occuper espace ça c'est pour empêcher bandi qui prend balle quitter zone là pour aller prendre soin dans l'hôpital. La police nationale d'Haïti occupe un autre espace en dans village solidarité. Oui, gen route en dans Simon pour qui capable mener et bien en dans village solidarité, nous connaît l'hôpital Bernard Meuse et bien c'est en dans village solidarité lié. La police nationale d'Haïti occupe un autre espace en dans cité militaire moun ki kon espace sa bien fòm di nou ke c'est Timon cité militaire là. Oui, Timon cité militaire là qui bay accès ensemble avec l'hôpital Ofatma genyen yon blende ki la et blende sa li même li occupé espace là a veye tout moun kap sorti pour que yo capable soit al pran soin ou bien quitter zone là pour que policier yo capable faire check sou ou. Faut nous dit que Jacques Robin c'est yon nan côté que eh bien yo capable sorti pour yo capable passer. La police nationale d'Haïti occupé espace. Gayon l'autre espace nan do bâtiment kap menon sou route aéroport eh bien toute zone sa yo la police nationale d'Haïti occupé espace sa yo
pour empêcher moun Simon capable quitter espace là ou bien bandi qui ta victime n'importe quel coup de balle ta quitter espace là pour que yo capable al prendre soin dans l'hôpital à voisin Nantio. Bagay la vraiment compliqué surtout dans zone ça et monsieur vivant Samyo yo décidé pour que yo capable et ben contrecarrer yo certain Djuma qui lui-même c'est chef gang Simon Peléan selon vivant Sam c'est Djuma qui entend et yo décidé faire un seul ensemble avec quartier Boston pour que yo capable river sous Djuma. Est-ce que finalement yo pral prendre Djuma et forme dit nous que Djuma pas décidé by vague Djuma pas décidé faire back et Djuma dit animal normal li normal net la bataille ensemble avec Boston la bataille contre vivre ensemble qui donc vivre ensemble sous route pour le départ forme dit nous que gagne Mikano oui Toro ou Jérémie li rentrer dans bataille en tout et songer que Mikano t'a goumé ensemble avec bout de jange qui donc yo prend un trêve l'essentiel là pour yo capable et bien courir derrière un chef Simon Peléa n'a parlé de Djuma parce qu'elle a vraiment compliqué et dans minute n'a parlé là bagaille là compliqué en bas surtout au niveau de Simon Pelé tout le monde qui dans localité ça ouais qui gens yo capable fermer quoi yo en dedans ou bien qui gens yo capable quitter espace mais faut me dire nous tout c'est pas deux monde qui pas tomber c'est pas deux soldats qui pas tombé dans cadre bataille ça qui éclaté depuis plusieurs jours entre quartier Simon Pelé et quartier Boston dans la pépé que vivre ensemble te soi-disant fait dans zone eh bien cité soleil dans quartier cité soleil yon la paix seulement qui durait et yon mois et après yon mois eh bien coup de balle continuer fait Mikalao et gen gros bouche l'ouvri entre deux quartiers surtout qui était déjà dans compte entre eux-mêmes n'a parlé de quartier Simon Pelé ak quartier eh bien Boston qui en dans cité soleil n'a font si quitté conflit qui gagné dans entre Boston et Simon Peléan pour que nous capable faire une virée dans département la Tibonite là dans département la Tibonite là gagné plusieurs bandes armées si monsieur Kokorat sans ratio si monsieur Savien yo nous connaît qui dans ti rivière et gagné yon allié dans département ça encore qui c'est monsieur Palmisio mais faut dire que équipe Palmis là c'est allié ensemble avec équipe Savien et bien si monsieur Kokorat sans ratio yo continue à faire sang couler dans département yo kidnappé moun yo touyé moun récemment tande ça si monsieur yo touyé plus passé 15 moun. Ça vient faire que population dans endroit ça dans local ça obligé lancer un cri alerte by autorité yo qui autorité même depuis qu'il eh bien bandi yo a ferraillé dans département ça pas de pièce autorité qui viré garder département ça ou peut-être c'est un plan que yo gagné yo fin résoudre eh bien pigou plaire qui c'est dans département l'ouest là pour que yo capable manyen ti malade ti java qui gagné dans département la Tibonite là c'est pas nous qui mandé me causer bamban nous causer ti monsieur Kokorat sans ratio yo kidnappé yo violé yo touyé yo fait toute bagaille dans département ça et moun gros mon faut me dire nous que yo décidé pour que yo capable mettre yon fin ensemble avec ti monsieur Kokorat sans ratio. Yo même décidé si la police voulait attaquer ti monsieur sa yo, population la fait mariage pépé. L'en parle de mariage pépé, n'a parlé de mariage entre la population et la police nationale d'Haïti. Même gens, moun nan département Grand Asfel, et jodian la, yo commencé à jouer un résultat par rapport avec yon groupe bandi nan département Grand Asfel, qui te sorti pour ratiboiser Grand Asfel, et sortant de yon, moun yon mette ensemble avec la police, bandi sa yo passe en bas BK. Si nous avons dit qui ça qui BK, m'a dit nous, BK, BK, c'est pour bois, et puis
car c'est pour caler qui donc yo prend un bois calé. Et bien c'est ça que moun nan département la Tibonite surtout moun c'est manque yo vle là par rapport ensemble avec la police, yo décidé accompagner la police, mais jusqu'à présent la police pas décidé traquer bandi yo. Et nous connaît que gen un certain de Paul Ménard, monsieur ça c'est lui-même qui directeur départemental au niveau de l'Artibonite. Est-ce que la police finalement pral d'accord accompagner population, mais jusqu'à présent si monsieur Kokorat Saratio yo continue à valetere, yo continue à prendre, yo continue à maltraiter population au niveau de département, eh bien l'Artibonite plus précisément dans commune Gromon. Faut me dire nous que information t'est même rivé fait quoi que gagner chef Kokorat Saratio. Nous voulons parler de Dédé. Eh bien, monsieur ça, il a rapporté que lui toujours ses marques. D'ailleurs, récemment, lui t'a non fait ses marques, lui t'a pris à la colle depuis 10h nan aswe jusqu'à 3h nan matin. Malgré la police gen information, la police pas côté bourré sous Dédé pour que t'es capable poser la patte sous Dédé. Et avec ton facilité Dédé est arrivé qui t'a fait ça pour que li capable rentrer dans base li et la rejoindre reste équipe li yo. Et mais jodi là c'est un plus gros défi la police gagne au niveau de la Tibonite pour que yo capable ratiboiser groupe gang sa yo Kokorat Saratio et puis groupe gang sa vient. Nous connaissons qui gagnent certain de Luxon Elan et puis l'autre allié au niveau de Palmis. Mais ça pas tellement pile non. Mais pour autant, la police capable de dépatcher dans quelques secondes. Mais depuis gros tour, c'est l'équipe Savien ensemble qui gagne la donne. Certain de Luxon Elan et puis l'équipe Kokorat Saratio qui a mené par un certain Dédé. Bon, invitez-nous tendez. Yon nan mam nan population qui t'a passé frustration par rapport ensemble avec eh bien Zak Zelfeis, Zak Malhonnête que équipe Kokorat Saratio là eh bien a fait au niveau de département l'Artibonite là. Entendez ensemble avec. Et puis moi même comme citoyen engagé, comme militant politique, m'a dénoncé. M'a pas de l'arrivé là. Je dis à c'est là nèg politique yo mené gros monde. Et je dis à Gomon placer son table comme si son pays en zone noire pour nous. Nous-mêmes, comme citoyens Gomon, matin, nous levé voix nous. Tout pays attendait, tout dirigeant attendait. Mais qui côté, yo mené Gomon. Et c'est ça que toujours dénoncé. Et je dis à ça qui a passé là, M. Guerrier, ce n'est pas seulement un problème de sécurité. Deux, trois jeunes garçons, bien, ça m'a mené au Gomon. Non. Son arrangement lié avec les politiques qui menaient nous là, parce que à tout prix, nous avons besoin de prendre pouvoir. Ils ont décidé de sacrifier le peuple haïtien, ils ont décidé de sacrifier le monde Gomon pour prendre pouvoir et pour laguer Gomon dans tout ça. Côté Jodia, nous sommes en prison Gomon, parce qu'on n'a pas qu'à monter, on n'a pas qu'à descendre Gomon. Jodia, c'est là où nous menons. Pour me retourner sur la question posée par M. Guerrier, alors nous avons plus que 22 jours, depuis que mon fille est de 6 ans, dans la troisième section Rivière Blanche, qui a été kidnappé. Maman pas de contrôle, papa pas de contrôle, alors c'est un petit ancien policier bien qui est le septembre. Et il a kidnappé fillette là. Mais parents ne peuvent pas retrouver qui groupe qui était kembe petit là. Dans la démarche que tu as fait, monsieur qui a des âmes dans la zone Monsaligno, tu as estimé que ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait kidnapper dans M. Guerrier. Et tu es fâché parce que c'est eux qui ont accusé dans le mouvement. Et dès que vous décidez vous-même pour chercher cette fille ça, quel que soit côté lié. Alors, monsieur, comme si vous avez compris que vous faites kidnapping parce que vous êtes dans la zone, vous avez dit non, ce n'est pas vous-même. Vous avez décidé vous-même pour prendre défense pour chercher petit là. Dans chercher petit là, vous avez fait un paquet de victimes, de innocents victimes, parce que chaque localité vous attaqué, chaque section communale vous attaqué, il y a des gens qui mourent. Et là, nous gardons ensemble de gens qui mourent, je dis, nous récupérer 16 personnes qui tombaient pendant que gang armé a cherché Tifiette 6 ans ça. Ou qu'a compris aujourd'hui
Ça, c'est un massacre pour commune. C'est un massacre sur peuple haïtien. Je veux dire, ce n'est pas peuple haïtien qui a des âmes. Ce n'est pas une élection. Les qui ont besoin de pouvoir, ils ont besoin de descendre dans le pendu. Parce que pendu, ils ont un candidat à la députation, c'est Étienne Richardson. Les qui ont besoin de la frontière en bas, ils ont amené un bon jeune garçon. Et après la prise du pouvoir, ils n'ont pas fait rien pour les gens. Et c'est ça que fait Josia, les gens ont campé un bon 18 pour défendre ce qu'ils défendre ça à chercher. Que nous-mêmes, comme dirigeants politiques, nous dénonçons Josia. Et nous disons, M. Adzamio, ce n'est pas le peuple qui est baïol, ce n'est pas mon pendu, ce n'est pas mon lacule, ce n'est pas mon canifice, ce n'est pas mon sabantaré, ce n'est pas mon moulin qui est baïol aux âmes. Je pense que Josia, il faut avoir vu le Zamio, sous nègre qui est contre financier. Te kon ba au bal ki te kon ba au zam jodi a trop pou na victime nan société a mwen monte au créneau pou jodi a me lancer on appel avec gang yo et à l'état péril pou me di yo est-ce qu'il a quitté gros monde descend pi fond nan trou que la descend là parce que mes guerriers jodi a sa gen moun ki rete nan section communale tout moun yo c'est dans sa preuve yo vin mouri ka vin pi cher gros monde passé Port-au-Prince et jodi a m'a salue présence et DDA, qui veut dire qu'il y a département à la Tibonite là, monsieur Paul Mena, qui te font un rencontre gros monde, je pense que Jodia, n'a pas monsieur, un bénéfice tout, Jodia, pour nous battre bravo pour lui, parce que rencontre ça, t'es utile en pile, et lui promet un paquet de bagages pour renforcer la police nationale, Jodia, qui manquait équipement, qui manquait moyens. Et m'a tout adressé à directeur Normil Rameau pour me dire Normil Rameau, je dis à nous besoin de présence policière, nous besoin de renforcement, nous besoin d'équipement pour policiers, nous besoin de logement pour eux. Faut policiers camper pour battre la gang, parce que je dis à nous dans la prison pour monde, ou mettre besoin rue pour sortir pour aller l'autre rue. Depuis le 6 heures, moun pas qu'à marcher. Nous saluons la présence policière, je dis à nous battre bravo pour eux, mais effectif là trop petit. Les bandits ont déployé, 40, 50, 60. 6 grenouilles de bon bakagouma avec yo. Je dis à nous-mêmes, nous levons voix nous pour demander, Normil Rameau, faut bagay pour gros monde. Nous péri, nous pas capable encore. Nous ne pensons pas capable, nous ne qualifions pas capable. Je dis à nous demander, tant pis, aidez-nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui te bay monsieur Zam, qui nous bay au bal. Nous pas payer pour ça, nous pas faire. Guerrier, aidez-nous passer ce message à Zam, nous frères, camarades. Gros monde fini. Je dis à nous pas comme ça pour nous faire. Moi, obligé à faire pèlerinage, je dis à nous. Caraïbes, moi c'est toute semaine dans ma palais, dans toute la zone du pays, pour yon ka identifier nek qui te bandio, zamio, et bandio comme jeune garçon, c'est des nek qui marginalisé, qui levé, qui pas gagné au point de faire ni cap fait, qui obligé de revolver dans mon nek dans la période d'élection, et on connaît depuis nek gagné zami légal, nan mel guerrier qui sale café avec. Je dis à m'passe peuple haïtien, nous pas travail pour ça. Radio Caraïbes, je dis à gros monde en danger, moi-même en tant que citoyen, me levé voir. Soit on fait à guerrier, on dit précision, soit on fait là, je dis, c'est pas tout le cap en chance là, parce que immédiatement on finit faire, bandit on prend notre, on attaque, on n'est pas qui là, oui, mais bandit on tout, même pour diable, c'est pas autre mettre tête, yo, là on fait kidnapping, là on va mourir, là pour y'a un pourcentage là-dedans, je dis à fond également, sous problème, non, même si on élimine bandit en bas, mon saline, yo, et n'est pas qu'à financer, yo, qui ça n'a pas avec yo, c'est pour l'état pour l'engagement, c'est ça fait, je dis, lancer. Déclaration ça, pour l'État pays m'tende, pour plus jeunes garçons, parce que les gens pas 30 ou 40 ans, c'est des 18 à 26 ans qui sont en bas. Nous pensons que l'État fait un bagage, je dis, parce que gros monde pas descendre plus fort encore. Monsieur Guerrier, si vous avez une question, donc, au dit là, dans mon appel là, est-ce que monsieur a toujours à poser Zach Sayo? Est-ce que yo toujours tout près de la ville là ou bien c'est yo occupé en dit ville Gromon? Yo tout près de la ville là parce que de temps en temps yo font monter. C'est bon Dieu de faire jodi a, gen yon patrouille policière Udmo qui nan ville là qui empêche monsieur yo attaquer centre-ville. Mais à maintes reprises, monsieur yo rentre dans centre-ville là. Et hier matin, nous levons parce que nous avons kidnappé trois personnes pour une seule famille. Et hier matin, malgré nous demandons une somme de corps, famille en bail l'argent. Et hier matin, nous levons dans trois personnes qui ont kidnappé. Nous avons déposé un monde devant Kay Parol, tout mourir. Ça veut dire qu'ils ont assassiné. L'autre deux personnes dans le mail, nous ne savons pas qui sort. Ils ont décidé pour mourir. Deux personnes dans le mail, c'est toi ou t'es. Ils ont mis tout mourir devant la porte de famille. Vous comprenez comment les gens ont pris ça? Ou
comprenez qu'en tant que père de famille, l'on levé la tête ou mon petit tout, à terre côté bandit assassiné. Moi, c'est aujourd'hui à M. Guerrier, il faut au moins une conscience patriotique, il faut une révolte dans le pays. Nous n'avons pas qu'à continuer. Le pays n'a pas qu'à descendre, puis ils font toujours. Et aujourd'hui, nous n'avons pas payé pour ça que nous ne connaissons pas. N'est-ce pas, les amis, ils ont même jusqu'à présent, c'est ancien sénateur, ancien député, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui gagnent série de pays. Est-ce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre tranquille? Aujourd'hui, à me passer, bataille là, nous pas qu'à l'étape garder. C'est ça fait, nous levons voir pour demander l'État pays. Monsieur Gariconi, CPT, Normil Rameau, directeur départemental là. Au moins, gros urgence sous gros monde, tant pis. Nous pas capables encore. Bataille là, trop loin. Jodi a fin péri. Si pas gros urgence qui fait sous commune gros monde, si monsieur pas voué chat, il pas renforcer gros commune, eh bien nous tous péri. Mes amis, nous pas capables encore. Nous pas capables encore. Nous pas capables encore, Normil. Voilà. Ça c'était cri yon citoyen qui habitait gros monde. Si monsieur Kokourat Saratio tellement fait, yo pas capable encore. Et si monsieur Kokourat Saratio, c'est ça yo vle, yo fait dans la cour. Yo kidnappé, yo touye, yo crasé, yo brisé le yo vle. Pas gen yon moun ki capable rale kod la, pas gen yon moun ki capable peser et bien souffrir pour le di font ti campé. Et jusqu'à présent, faut que nous dit que département l'Antibonite là gagne plusieurs anciens politiciens parmi eux Yuri la Tortue, gagne Charles Chancy et surtout la famille la Tortue, eh bien c'est une famille jodi an là qui gagne autorité, qui gagne aura en dans département l'Antibonite là. Où sont ces anciens parlementaires? Gagné Garcia Nelva, gagné Profane Victor. Jusqu'à présent, moun sa yo, yo rete silence, yo pa di anyen par rapport avec insécurité qui gagné dans département l'Antibonite la. Yo pa di anyen par rapport avec eh bien méchanceté nèg exam a fait population dans département si là, yo quitté population eh bien bras croisés, yo seulement ap gade. Et puis pi devant les gen élection, yo pral présenter dans élection, yo pral vle al faire campagne, yo pral rentrer avec yon facilité eh bien dans zone sa yo côté que qui gagne nèg exam pour que yo capable al mener campagne et population, c'est le ça, yo pral besoin population, yo pral faire en pile promesse tête par droite par rapport ensemble avec population ça pour que yo capable joindre pouvoir pour yo continuer voler pour yo continuer faire vieux bagaille dans pays. M'pense que l'élite population li capable prend responsabilité par rapport avec groupe malfrat ça qui yo même a théorisé population dans département l'Antibonite là. On quitte département l'Antibonite là pour que nous capables faire un petit tourné par bois la caille surtout au niveau de capitale pays. J'en ai regardé sous écran ensemble avec moi là, nous avons une équipe soldat et forme dit nous que nous avons un avion. Avion ça c'est un avion eh bien garde côte américaine qui t'est porté vini dans pays plusieurs soldats jamaïcain ak belizien. Soldat sa yon sorti dans pays Jamaïque et yon sorti dans pays Belize. Bon nou yon idée de quantité chiffre qui eh bien de quantité soldats qui rentrent vini dans pays. Gagné 20 militaires eh bien jamaïcain qui rentrent dans pays. Gagné 2 policiers jamaïcain et gagné 2 policiers qui sorti dans pays Belize. Qui ça monsieur Sao vin fait? Mais monsieur Sao, yo fait partie de équipe mission multinationale sécurité eh bien haïtien, yon mission qui dit que yo vin aider la police nationale d'Haïti ak l'armée d'Haïti eh bien vin bataille contre yon équipe nèg exam illégal qui en dan yon structure qui rele vive ensemble kap théorise population depuis yon bon bout. Eh bien équipe sa li vini en renfort avec police Kenya yo. Là nous kapab parler de mission multinationale parce que gen plusieurs nations kounya la nous kapab di gen
sont policiers qui sortent de Belize, des policiers qui sortent eh bien Jamaïque, des policiers qui sortent Kenya. C'est pas policier mais des policiers et militaires qui sortent Jamaïque. Et mais il y a trois nations pour le moment qui constituent mission ça. Malgré que il y a un groupe policier kenyan dans pays jusqu'à présent rien pas changé parce que bandi yo fait ça yo vle, yo bloqué ou gens yo vle. Depuis un bon bout de temps yo gagné des postes de péage malgré que il y a un petit secret quoi qu'a fait là, c'est pas deux bandits qui pas tombé. Bon ban nous information par rapport ensemble avec petit monsieur Sayo qui rentrait dans pays. C'est des policiers qui vraiment spécialisés et surtout les militaires. Je l'ai regardé là, c'est équipe bahaméen. Eh bien, nous, Belizeens de préférence qui rentrait dans pays, eh bien, ensemble avec petit monsieur jamaïcain. Petit monsieur Sayo, yo gon spécialité sous la main. Pas oublier aujourd'hui là, la main pays d'Haïti, c'est un savant. Monsieur fait ça yo vle. Gen même bateau moi apprendre qui soit dans l'autre pays, vini sous la mer et soit d'ailleurs gagner chaloupe qui rejoignent yo qui sont pensé yo al faire trafic organe. Et jodi an la, si monsieur village, si monsieur Izo yo, yo fait et défait surtout et bien dans la mer. L'on pense que si monsieur ça yo, yo rete dans village pas étonnant, yo kete bout dans plusieurs espaces dans pays. Yo tap tenté monter plusieurs équipes au niveau de département grand dans ça, mais moun grand dans dit c'est raceta. Yo pas d'accord pour que nèg exam vin contrôler département. Yo pas d'accord pour que nèg exam contrôler même yon commune dans département et s'entendé yo te bay yon alerte, yo te bay yon avertissement, yo te bay yon ping, yo te bay yon durée de 3 jours pour que tout nèg exam illégal pote zam sa yo ale bay azek ou bien kazek kote yo yen et laisse ça yo capable échapper en bas phénomène beka et s'entendé yon gen bandi qui te d'accord pour remettre zam kon sa tout gen yen qui campé yo dou campé goumen lié tonton yo décidé à bataille et s'entendé yon yo pas ka pi fort que population et bien yo tombé en bas colè population et depuis yo tombé yo pas prend ni deux ni trois bagaille yo prend beka. Si monsieur jamaïcain sa yo, c'est des petits monsieur qui vraiment spécialisé sous la mer. Et dans l'équipe qui vient là, il y a des snipers. Puis quand monsieur pense que pendant yo sous la mer, il pral pense, il pral tirer ensemble avec petit monsieur sa yo. Mais non, majorité qui la yo, c'est des militaires et des policiers snipers qui donc à n'importe distance. Équipe ISO en yé, yop capable mette katouche nan chouwa yo. Yop capable mette katouche sou yo et deux bagay. Soit yo abandonne yo pote tete yo. Et si toutefois yo vle kampe bataille, yo vle kampe goumé, c'est yo même kapwel. Parce que équipe sa, si monsieur sa yo, yo pa joué. Yo vraiment bon nan zam yo, yo vraiment bon nan tire. Qui donc yo prêt pour yo tire. Et yon konne ki sa situation yé. Et yon l'autre avantage que yon genye, ti monsieur sa yon pas simple. Même jan ti monsieur bandi yon, yon gen bagay sou yon, mdande yon gen deuxième pour yon, gen troisième pour yon, gen quatrième pour. Même X pour yon genye, et bien ti monsieur sa yon tout, yon gen plusieurs pour. Qui donc se Jamaïque yon sorti. Même jan ti monsieur iso yon, des fois, anman yon al tire, yon pren ti bagay, yon kompren ti bout de blanche tan, yon pren ti bagay sa yon, mette nan cerveau yon, et bien se même jan tout, équipe sa, et à chaque fois que vous pral tirer, yo pas moun. Qui donc, c'est bien joué, bien contré. Si monsieur ça, depuis là on vini, yo pas vini même genre avec policier kenyan yo. Nous te voit policier kenyan yo, là on te vini qui ça ou te voit t'a fait, yo t'a dansé sous et bien ta marque aéroport. Mais monsieur ça yo, gardez pour vous. Yo bien mine, yo bien mauvais d'ailleurs, yo konn ki côté yo hier. Ou yo gen lunette dans yeux yo, lunette ça c'est pas n'importe lunette. Là sous la mer, forme dit nous que il est capable localiser cible pi bien le soir. Qui donc monsieur vivant sans yo surtout yo pral gen bagay nan men yo surtout si monsieur qui sous la mer yo. Et c'est pas seulement sous la mer à prêter puisque c'est 24 que yo ye gen yon bon quantité yo pralé et bien à terre en tout yo pral faire mouvement pénétration. C'est une raison qui fait que Jamaïque te promet pour te bay 200 soldats. Au lieu de 200 soldats, yo voyé 22 soldats.
et yo voyez 24 soldats, et bien ils voyez 2. C'est des spécialistes, c'est 24 parmi plus bons qui gagnent dans le pays Jamaïque qui rentrent là. C'est pas n'importe monde qui rentre. C'est même gens, la police est capable d'abattre 100 monde dans le cadre d'une mission dans l'autre pays, et puis soit d'ailleurs, yo voyez plusieurs policiers SWAT, yo voyez plusieurs policiers UTAG, yo voyez plusieurs policiers BRI à la bataille dans l'autre pays. L'autre unité, c'est pas parce que yon pas bon non, mais unité ça yo, c'est parce que c'est des unités qui spécialisées nan faire bataille corps à corps, nan faire pénétration. Parce que les SWAT vini, yon côté, les UTAG d'ailleurs, UTAG là sont quand même qui formaient, qui montaient pour bataille contre les examens. Il fut un temps, si M. Boydio te kon fait ça bien, mais malheureusement, politique pas boy site, crasé, eh bien, unité ça, gagné plusieurs qui étaient obligés de rentrer dans l'autre unité en dans la police là, parce que si M. Sayo, yo te tellement kon bay bon résultat, continue, yo te kon bay, parce que nous-mêmes, nous captons des émissions ça, nous ka toujours bon non, dans commentaire là, mais c'est non, yon kon pay téléphonie, les saletés, fin vinil, pour bay bon service mais kounya li pa ka bay bon service encore nous pa konnen ki sa passé. En tout cas nous ka toujours bon non ki jan te konn rele équipe boy là les que yo t'a bay bon service nan moment que yo te créé yo. Et bien si monsieur jamaïcain sa yo yo vini pour yo vini mettre l'ordre dans des ordres et pas penser que yo vini là même jan avec ti monsieur kenya yo mais non. Yo wè avant tout travail là. Yo pap wè comme avant tout non, mais yo pral wè travail là. Yo di question a fait bagay question vivre ensemble. Yo informé d'ailleurs, yo té en formation. Avant même yo vini, bam bam nou information ça, yo fait plus que 3 mois nan cadre yon formation que pays Canada même t'a fait pour yo. Gagné k'a vini encore parce que c'est 79 qui te prend formation. M'a konnen si reste yo même yo prêté dans pays yo, mais pour autant 20 quantité qui gen là, yo pral mettre dans main vivre ensemble. D'ailleurs, yo bien motivé. J'en a regardé sous écran là, et bien c'est un groupe policier qui vraiment motivé, c'est un groupe militaire qui vraiment motivé, yo pral mettre l'ordre dans des ordres par rapport avec des ordres qui gagnent dans pays yo. Bagay la capable compliqué pour équipe vivre ensemble nan, nan jou kap vini la yo. An kite information ki gen pou wè ensemble avec ti monsieur Sayo pour que nous capable eh bien tourner pour nal parler de bataille que la police a mené au niveau de quartier populaire yo. Jusqu'à présent forme dit nous que la police vraiment motivée pour que yo capable traquer ti monsieur Axam. Pendant que la police motivée pour traquer ti monsieur Axamio, c'est pas deux qui pas tomber dans quartier populaire yo. Ah oui, si nous quoi menti, allemand de sac passé Belair, allemand de sac passé Badelma, allemand de sac passé Gressier. En parlant de Gressier, bon bon outil information ça, gagné équipe SWAT là ensemble avec UTAG. Monsieur Sayo, yo pas décidé by vague, yo pas décidé fait back, yo pas décidé camper. Yo décidé pour que yo capable fini ensemble avec équipe qui bay tête li non 103 zombies. Nous connaît équipe ça, et bien li sorti gravine. Yo qui contrôle Gressier, c'est pas deux palan pile que yo pas fait. Et bien ti monsieur Swat yo mélangé avec ti monsieur Utagio. Dernier jour sa yo, c'est pas deux bagailles, yo pas mette, eh bien, nan men équipe sa, tellement yo assassiné yo ensemble avec coup de balle, qui est même matériel, selon information yo, qui rive jouen nous, eh bien, qui ta, eh bien, saisi, pendant que équipe sa yo, équipe bandi yo même, yo tombe pendant yo a troqué coup de balle, ensemble avec force l'audio. Puis quand nous saisi pour. Vous entendez ça, eh bien, gagnez plus passé. Yon gagne plus passé, eh bien, 5 bandits qui ont même tombé dans le cadre d'affrontement. Que monsieur même, yon te gagné ensemble avec, eh bien, un petit monsieur 103 zombies. Femme dit nous que pendant que SWAT a frappé, eh bien, yon arrivé sous la mer,
yo saisi yon bateau. M'bral ban nou information, m'bral ban nou zem, m'bral ban nou détail. Oui, si monsieur yo saisi yon bateau, et bateau sa, yo arrivé capturé, eh bien, deux étrangers qui te nan bateau sa. Oui, monsieur yo vraiment enragé, yo vraiment motivé pour que yo capable faire mauvaise action, eh bien, et sous la mer, yo arrivé. Eh bien, capturer, j'aime ça dire, deux étrangers à bord d'un bateau qui était sous la mer. Étrangers, ça, qui est-ce qui mounyoye? Eh bien, bon, nous détails, bon, nous informations par rapport avec bateau ça, eh bien, qui était sous la mer, que si monsieur Axamio, si monsieur 103 Zombio, rive fait d'appuyant par sous yo, et yo capturé deux marins eh bien qui étaient dans un bateau ça et mais gang exam kidnappé deux marins étrangers mardi 10 septembre 2024 là dans rade Port-au-Prince et marin ça yo t'a présenté comme citoyen philippine c'est dans pays philippine que marin ça a sorti yo c'est même compagnie internationale qui relait eh bien collet qui c'est qui est spécialisé dans porter conteneur qui donc nous capable arriver dans phase par rapport ensemble avec deux marins qui sorti dans pays philippine que nèg exam kidnappé nous capable arriver dans situation côté que conteneur yo capable pas ka rentrer dans pays yo capable faire grève parce que bateau qui kon pote eh bien conteneur yo monsieur yo saisi bateau ça sa, et yo prend deux marins et si monsieur soit yo faut me dire nous que yo mette travail dans mes monsieur yo yo mette ambiance dans mes monsieur yo c'est pas deux soldats eh bien qui pas tombé pendant la parle de soit là faut me dire nous que jodi en là pendant ou soit a bay résultat hier te gagné yon gros mouvement yon gros eh bien mouvement de protestation nan base soit là qui ça bagay la yé nous connaît que te gagné un poli te gagné un groupe soit qui au niveau de Gressier d'ailleurs yon toujours Gressier yon a fait bagay nan mes bandi pendant passage ti monsieur sa au Gressier nan quatre affrontement gagné yon policier au niveau de SWAT, qui est Dorsey Scudery, monsieur ça qui gagne seulement 28 l'année, dans quatre opérations, il n'a pas le victime, il n'a pas le touché. Il te recevoir une balle au niveau de cuisse. Malchance pour les balles, ça, c'est une artère que li coupé. Nous connaissons artère, il a contribué dans le partage sang, eh bien, vers cœur. Vers colon, tout colon, colon qui a plusieurs artères là-dedans. Eh bien, artère ça tellement pompé sang, malgré que vous faites diligence pour vous courir ensemble avec policiers, soit ça, vous courir avec Léogane, eh bien, il faut me dire que Léogane pas te répondre pour être capable, eh bien, de soin ensemble avec policiers, soit ça. Vous faites diligence, vous courir ensemble avec les fondés blancs. Distance, il a fait diligence pour que li capable rentrer en salle opération parce que li perdu en pile sang, malheureusement policier ça li tombé. Policier soit yo déclenché un mouvement de protestation par rapport avec la mort jeune policier soit ça qui relait Dorsey eh bien Scudery. Monsieur ça qui est 28 l'année, il était fait partie de 32e promotion la police dans SWAT, dans l'unité SWAT, et puis il était numéro 7 dans SWAT. De pour arriver dans la base SWAT, là, ou mande numéro 07, il a dit, eh bien, c'est Dorsey Scudery. Monsieur a jugé que par rapport avec le travail que a fait dans le pays, pour capable de croire les examens, eh bien, il a manqué de joindre assistance. Yo manke jwenn assistance bon côté autorité yo parce que les regardez yo wè policier kenyan yo té victime yo wè hélicoptère vin pran yo rapide vite transporter en République Dominicaine yo dit que policier kenyan yo jwenn pi bon traitement que yo pendant que yo même c'est yo même qui fait job sale là c'est yo même qui fait pénétration et faut me dire nous que gen un bel mariage entre SWAT et policier kenyan d'après information qui vient joindre moi. Monsieur a décidé pour te bloquer barrière entre SWAT là qui au niveau de Claircine.
yo te di moun pa rentre dans paz. Là que directeur général de la police là Normil Rameau décidé pour que li capable voyer un représentant, il voyer une femme. Monsieur dit yo pas tant de prières. Yo seul moun yo vle tande là, li rele Gary Conille pour que yo capable bay doléance ensemble avec premier ministre Gary Conille. Et comme ça qui t'est venu devant barrière soit là monsieur on parle ensemble avec lui dit pas rentrer là l'a dit monsieur ça qui passé là moi c'est représentant Normil Rameau monsieur dit qui est ce qui Normil Rameau d'ailleurs il pas connait existence nous c'est nous même qui a passé misère et les femmes ça t'est sorti pour l'ouvrir jupon et s'entendre monsieur aura les amis ont tiré sous tête lui hey femme là ouais bagarre là pour tout bon lui obligé aller dans direction générale qui pas trop loin ensemble avec base SWAT là qui claircit et Normil Rameau comme directeur général police nationale d'Haïti lui était décidé pour le déplacer en personne pour aller parler à monsieur monsieur dit désolé directeur général ou c'est chef nous mais nous pas tendo moun nous besoin tendre là li relé eh bien Gary Conille pour que nous capable bal revendication nous et Normil Rameau était obligé à aller malgré que monsieur a décidé parce que monsieur t'a préparé pour lancer une opération croisé bras qui pas ta bon pour payer parce que jodi là soit a mené une belle bataille dans pays pour capable déraciner ti monsieur vivant sans yo. Ti monsieur soit yo kon goumé, yo kon bataille et yo di yo besoin seulement moyen, yo besoin seulement accompagnement. Et en parlant de ça, la police nationale d'Haïti, ti monsieur soit ensemble avec ti monsieur Udmo kap goumé gressier yo, monsieur gen 2 semaines depuis yo pas touché prime de risque. Depuis yo pas recevoir frais bataille. Li important, m'pa besoin al di combien kob liye. M'prie nou en grâce by monsieur yo kob sa parce que yo risque la vie aujourd'hui, yo risque la vie petit yo, yo risque la vie madame yo. C'est tout payant qui sous doyo dans quatre batailles que a mené. Et d'ailleurs, nous pas même accompagner yo, comment pour nous dire que yon groupe policier a bataille dans affrontement, yo pas joint accompagnement bon côté et bien secteur et bien médical. Hey, comment la police quitte yon groupe policier à bataille? C'est affrontement, c'est coup de balle qui a marré. Tout pas gon équipe médicale qui déplace ensemble avec yon. Si toutefois yon ta victime, pour au moins yon ta joun premier soin. Bon côté, la police avant tout. Hey, nous ka comprendre nous pas de médecin. Mais pour autant, l'État a plusieurs médecins qui a formé là. Médecin yo pa bataille pral bataille non mais yo a prêté sous place dans un espace bien déterminé premier soin automatiquement policier prend balle pour que yo capable offrir policier sa premier soin si le faut pour que yo capable déplacer yo a déplacer ensemble avec yo al ba yo soin ka yo nécessité dans l'autre espace dans l'autre hôpital qui pi près hein quand ça ne va pas faire là nous quitter ti policier nous yo comme aller à l'abattoir pendant que policier kenyan eux même yo gen toute assistance même que c'est République Dominicaine qui offre au service si toutefois yo nan yo ta touché yo gen accès pour yo rentrer en République Dominicaine c'est là m'a montré nous que République Dominicaine gon problème personnel ensemble avec haïtien. Nous même haïtien République Dominicaine gon problème ensemble avec nous c'est pas question raciste c'est pas question de moun noir. Américain noir yo gon l'autre traitement en République Dominicaine mais nos frères nos sœurs haïtiens yo gon traitement différent en République Dominicaine. Récemment m'gade yon image côté que genyen et bien moun en République Dominicaine moun qui fait partie de immigration en République Dominicaine yo monté en local yo a couru derrière quelques compatriotes yo monté local yo monté derrière yo et puis assisté que gen yon nan compatriotes yo poussé en bas son nation qui gen yon haine contre nous même haïtiens pour qui ça yo pas offri service avec policiers haïtiens ainsi que militaires haïtiens dans quatre affrontements pour que capable venir chercher au sous-sol là pour aller prendre soin en République Dominicaine c'est seulement les policiers kenyans
C'est une raison qui fait que je dis là, monsieur soit tu as fait mouvement de protestation ça pour que capable eh bien la guédoléance sur le gouvernement par rapport avec bataille que a mené. Parce que l'important pour que le gouvernement haïtien capable de payer si monsieur soit you. On quitte information yo pas bon la caille pas nous nous praler dans pays eh bien Pérou. Dans minute n'a parlé là gagné gros deuil dans pays Pérou. Qui ça qui rivé? Monsieur n'a regardé sous écran monsieur Salirele Alberto Fujimori. Mais monsieur ça c'est un ancien président dans pays Pérou. Eh bien il était président eh bien dans pays de 1990 à 2000 qui donc lui fait 10 ans à diriger pays Pérou. Malheureusement monsieur ça li valait acte de naissance li mouri li fait voile pour pays sans chapeau hier jeudi et dans minute n'a parlé là eh bien pays Pérou li en deuil. Faut que nous dit que président monsieur ça eh bien qui relait Alberto Fujimori c'est un monde qui était très autoritaire et c'est un monde qui était très populaire dans pays Pérou. Eh bien l'ité un président qui était plus marqué histoire pays ça qui relait Pérou. Eh bien faut que nous dit que jodi an là eh bien Alberto Fujimori li mouri de yon cancer à l'âge de 83 l'année. Monsieur ça, il t'a pas condamné pour le passer 25 l'année dans prison. Eh bien pour qui ça? Qui ça a été reproché? Eh bien c'était corruption et crime contre l'humanité en 2009. Mais monsieur ça, il t'a pas libéré, c'était en décembre dernier, eh bien que monsieur ça, il t'a pas joué une libération. Ancien dirigeant péruvien ça, il t'a pas recevoir eh bien des honneurs. Et les péruviens ça, li pral recevoir eh bien honneur funéraire qui correspond à un président en exercice. D'ailleurs, yo pas fait ça pour n'importe moun nan pays Pérou. Si toutefois dame kap dirige Pérou là, faut nous dit que c'est yon et dame, c'est yon madame, son femme qui nan tête eh bien Pérou, eh bien n'a vini ensemble avec nous. Si toutefois lui même, li t'a pral mouri, c'est Wana Carrion. C'est lui qui a dirigé le pays ça. Pendant que les sous pouvoir s'il mourit, c'est lui-même qui t'a supposé recevoir yon funérailles honorifique. Eh bien, président Alberto Fujimori qui mourit, lui pral recevoir yon funérailles honorifique. D'après ça que chef l'État paysan n'a parlé de Dina Boluarte, li fait qu'on est. Et faut que nous dit que, eh bien, depuis jodi, gagné 3 jours de deuil national qui décrété dans le pays. C'est depuis hier, li mouri, yo décrété 3 journées de deuil. C'est pas n'importe moun qui mouri, c'est pas n'importe moun qui quitte le pays. Faut que nous dit que, monsieur ça, qui est Alberto Fujimori, eh bien, li te gagné comme surnom El Chino. Eh bien, le chinois, par rapport avec maman, eh bien, monsieur ça, eh bien, quitte yon japonaise, maman c'était yon japonaise, et papa c'était yon péruvien, d'ailleurs, yon te surnommé El Chino, nan pays, c'est par rapport avec, eh bien, un très japonais que li te gagné. Alberto Fujimori, li quitte de yel, yon Pérou qui divisé. Par rapport ensemble avec l'an Moli, et mais faut nous dit que Alberto Fujimori, monsieur ça qui t'a dirigé PIP ou pendant 10 ans, de 1990 à 2000, et bien, nouvelle l'an Moli t'est arrivé, et automatiquement, nouvelle l'an Moli arrivé, faut nous dit que pays li Pérou, et bien, li divisé. Il y a plusieurs partisans lui qui t'ont profité pour aller devant la Kaili pour que t'es capable à rendre yon dernier hommage. J'aime te dire, c'est pas n'importe moun que le t'es dans le pays. D'ailleurs, c'était yon président qui était très populaire. C'était yon président qui était gagné en pile moun neyel, malgré que li t'es condamné pour le passer 25 ans dans la prison parce que yon t'es
et accusé comme crime, il fait crime contre l'humanité, il était accusé comme un monde qui était dans la corruption pendant que l'État pendant 10 ans mandat là, malgré ça, eh bien population péruvienne là, il était un bon groupe là dans population péruvienne là qui était très fidèle ensemble avec lui. Faut me dire que gagné un certain eh bien de Juana Carion, eh bien madame ça qui ça le fait, il décider pour que li capable faire connait que eh bien li pa wè pour qui ça population obligé à prendre hommage avec yon moun ki yo te accusé qui te kon non pa kèt bon bagay yon pa kèt bon bagay ki pa ça. Faut que nous di Juana Carion c'est président association proche moun ki enlevé yo moun ki nan prison et moun ki disparaît nan pays Pérou li déplorer que monsieur ça li regrette infiniment dès que c'est pas dans prison que li mouri parce que li gen ensemble de bagay qui pas bon que le te kon fè. Assurément c'est un comment relé mouché qui dans pays là cap taguet Jean Ernest Muscadet. Assurément c'est un nan moun comme ça qui dans pays Pérou. On a parlé de Pierre Espérance. Alberto Fujimori il était condamné pour deux massacres qu'il t'a commet dans commencement année 1990 dans quatre batailles contre acte terroriste qui était perpétré par mouvement Maoïste Sentier Lumineux. Et bien, faut nous dit que la mort vini 3 ans jour pour jour après la mort ancien leader mouvement Abimael Guzman. Et bien, monsieur ça li pa la encore li fait voile pour payer son chapeau bataille. Et bien li t'a mené c'est une nan bataille contre mouvement révolutionnaire Tupac Amaru et c'est une nan héritage fort, et bien Fujimori, et bien l'équité derrière. Avec un bilan économique, avec un exercice pouvoir, et bien les monsieur Satap dirige pays Pérou, et bien faut que nous disions que l'économie Pérou, li pat en baisse. Ancien président, li te impose yon ensemble mesure, et bien drastique, que yon te rele Fuji choc et l'été impulsé privatisation plusieurs entreprises publiques. Avec pareil que ou tande nek secteur public, nek secteur privé kap dirige yon ensemble de entreprises. Eh bien non, c'était gouvernement qui t'a dirigé eh bien ensemble entreprise sa yo nan pays Pérou. Eh bien monsieur ça jodi an la fok nous dit que selon analyse politique Augusto Alvarez qui était interrogé par AFP, Alberto Fujimori, l'était inauguré un modèle. D'ailleurs, autoritaire et populiste, c'est un modèle, mais l'équité, l'instauré, l'inauguré dans le pays-là, qui ensuite a reproduit par plusieurs autres leaders et mouvements dans l'Amérique latine. Non, surtout, c'est un monde de gauche que l'ITY, eh bien, ensemble de, eh bien, modèles que l'ITY inauguré comme autoritaire et populiste, gagné plusieurs autres chefs l'État dans l'Amérique latine, non, qui t'apprend continuer ensemble avec mouvement ça, soit de gauche ou bien de droite. Pour journal ça qui est le R Commercio nan pays eh bien et Pérou eh bien faut nous dit que Fujimori c'est un président qui quitte plus grand impact dans l'histoire pays Pérou. J'aime ça dire c'est pas selon moi-même mais c'est selon journal ça qui est le El Commercio qui c'est un journal qui plus populaire dans pays Pérou. Eh bien président Alberto Fujimori li était un président qui quittait plus grand impact dans histoire pays ça qui c'est Pérou. En parlant de Pérou, faut me dire nous que Pérou parlait plusieurs Pérou parlait une seule langue qui c'est espagnol mais pourtant il y a plusieurs dialectes. D'ailleurs Quechua, c'est un dialecte Pérou. Et nous avons eu chance pour nous rencontrer ensemble avec un soldat péruvien qui devait partie de la MINUSTA. Il t'a expliqué l'histoire pays ça,
li di yon nan model ki genye pou jeune yon nan peyi sa, se Alberto Fujimori. Malgré que yon cite non nan ensemble de action de corruption ke l te commet nan peyi sa, eh bien yon nan action ke l te kon fè tout, d'ailleurs, li te kon tue moun an pil. Malgré ça, li rete comme yon nan moun ki te très populaire nan peyi sa ki se Pérou. Sou plan économique et sous plan politique, parce que automatiquement t'as dirigé économie pays ça li pa konnen baisse li te mais li te konnen hausse. Et sur le plan politique d'ailleurs ça dit la fait c'est ça le fait. D'ailleurs c'était un monde qui était très autoritaire et c'était un dictateur que monsieur ça lui-même li teye. Près après 25 ans li te fin quitté pouvoir, imagine continuer structurer la vie politique péruvienne. Principal parti droite Fuerza Popular, fondé par soutien et dirigé par Petite Fille. Parti populaire là, faut nous dit que c'est Petite Fille qui fondé et jodi an la cap dirigé par lui. Petite Fille là relé Keiko Fujimori. Et groupe qui plus puissant dans congrès, li occupe 21e siège depuis dernière élection législative qui était faite en 2021 dans pays Pérou. Voilà, moun ki mouri, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que jodi an la pays Pérou li déjà a offri 3 jours de deuil national par rapport ensemble avec l'amour monsieur ça qui est Alberto Fujimori d'ailleurs qui était président pendant 10 ans dans pays Pérou soit 1990 à 2000 d'ailleurs l'elle était président et bien économie et politique pays Pérou te connait yon hausse pas connait en baisse non mais il était monté malgré division liquide d'elle jusqu'à présent. Alberto Fujimori, c'est un homme qui est très populaire dans le pays Pérou. Qui le au moins dans le pays noir, n'a pas gagné capacité ça pour nous parler de un chef de l'État. Malgré ensemble, difficulté qu'il te joigne, mais il te levé l'économie pays. Il te mette pays en sous rail de développement. Malgré un pile moun jodi an tap critiqué Jovenel Moïse, ou te capable wè l'idée de développement nan tête ancien président Jovenel Moïse. Peut-être un pile moun capable di que Jovenel Moïse li te mal entouré. Jovenel Moïse li pa tande conseil. Jovenel Moïse des fois li pesé sou accélérateur là. Jovenel Moïse di pa kokon politique qui fait que jodi an la Jovenel Moïse li pa la encore yo exécuté. Parce que c'est avec information ça que nous mettons un bout ensemble avec émission spéciale ça, une émission très spéciale, une émission côté que nous t'es ouais conflit qui gagne en densité soleil entre quartier et Boston ensemble avec Simon Pelé jusqu'à présent jusqu'à matin coup de balle pas suspend chanter en dans quartier ça et vivre ensemble t'es chita sous conflit ça. D'après information yo vivant ensemble ta même prêt pour que yo capable eh bien mandé tête Djuma qui lui-même c'est soldat cap diriger quartier Simon Pelé NT ouais information tout par rapport avec ti monsieur Kokwat San Ratio qui au même après Atiboisé ville eh bien gros monde population gros monde obligé mandé concours autorité par rapport avec action que monsieur ça a fait. Et nous te wè tout. Eh bien, genye groupe militaire jamaïcain yo qui yo même rentré dans pays. Et monsieur Sayo, yo va manger un fret. Yo total de 26, 24 sorti dans pays Jamaïque et 2 sorti dans pays Belize. 24 jamaïcain yo, c'est 20 militaires, 2 policiers et gen 2 policiers béliziens, 2 soldats béliziens qui yo même rentré dans pays. Et nous te wè information. Par rapport avec ti monsieur Swatio qui continue à bailler résultat et mouvement de protestation que ti monsieur lui-même t'est en main par rapport avec assistance qui ont jugé que l'état pas baillé dans pays en par rapport avec bataille que a mené contre Negaxab et nous t'ai fait une volta nous t'ai allé dans pays Pérou côté que pays s'allie en deuil après la mort
président Alberto Fujimori qui était passé 10 années dans pays an, a dirigé de 1990 à 2000 jodi an là et bien gouvernement yo prêt là pour qu'yo capable ba yon funérailles honorifique ensemble avec Alberto Fujimori et yo déjà décrété 3 journées de deuil par rapport ensemble avec la mort monsieur ça. C'était une émission qui était en pile information parce que ou bien intérêt pour suivre émission ça jusqu'à la fin. Eh bien, pour que vous ne pas rater yon yota dans l'émission ça, ou même qui tape suivre l'émission ça, n'a invité et quitter commentaire pour nous et pas oublier like, pas oublier partager l'émission. Si toutefois vous pouvez vous abonner, nous invitons à faire ça. Et si toutefois vous êtes abonné, n'a invité ou partager l'émission. Nous te prenons plus plaisir pour que nous soyons capables de porter l'émission spéciale ça pour nous. Yon l'autre émission pareil, c'est pour bientôt.